Je me fous, fou de vos bits. Born to be alive. Ils m'entraînent au bout de la nuit. Les démons de minuit. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Un peu plus près des étoiles. Au jardin de lumière et d'argent. Besoin de rien, envie de toi. Disparu. Au Macumba, elle danse tous les soirs. Moi, j'ai l'impression que dans le film, vous êtes super bien amusé. On s'est super bien amusé. Alors, j'ai l'impression qu'avec ton petit chapeau, tu fais inspecteur. Oui, non, je suis au théâtre en ce moment. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça qui fait. Voilà. Comment s'est passé le tournage? Très bien. Chaotique, sincère, spontané, pas mal d'improvisation. Est-ce que tu pourrais chanter une petite bafouille? Une petite bafouille, ça veut dire quoi chanter une bafouille? Ben, moi j'écris les bafouilles et je chante les chansons. Jean-Luc, moi j'ai quand même l'impression que tu étais fort chambré dans le film. Je trouve pas. Non? Non. C'est vraiment toi? Non, c'est pas moi. Ah, voilà. Je suis un garçon beaucoup plus compliqué que ça. Ah. Mais ils sautent aux chambres, en fait. C'est ils ça qui vient. Aux chambres. C'est-à-dire qu'ils se chambrent entre eux, et puis nous, on a profité de cette énergie. On a écrit des scènes où on joue avec leurs personnages, et puis ça les a beaucoup amusés. Qu'est-ce qu'on peut retenir, alors, du personnage de Jean-Luc Lahaye? Moi, ce que je voudrais qu'on retienne de moi, c'est que je suis un gentil garçon. S'il fallait vraiment retenir des qualités de moi, c'est l'honnêteté, la gentillesse et la franchise. Tu as énormément d'humour. Bah, oui, normalement. Normalement, c'est ça. Hein. En tout cas, moi, j'ai toujours vu à la télévision qu'il y avait énormément d'humour. Ouais, ouais. Est-ce que c'est vrai en vrai aussi? Oui. Il y a une scène extrêmement drôle dans le film. C'est lorsque tu obliges Patrick Timsit et Richard Anconina à lire ton livre. On va lire quelques pages. Ça, on a mis 3 heures pour la tourner, cette scène. Tellement on se marrait. Ben, il faut bien lire tout le livre. Puis tu as vu comment j'ai rattrapé le saut périlleux et tout ça. Ah ben, ça, c'était formidable. Je me suis formidable. Donné du mal, attends. Mais oui, le saut périlleux, c'est extraordinaire. Hein, c'est extraordinaire. Il faudrait que tu montres ça. Ah. Tu ne peux pas faire une démonstration ici? Mais pour c'est la trop caméra. Petit que... Ah, c'est, oui, c'est bah, vrai que le plafond est mort. Bah. C'est la Watt. Pour moi, c'est une énigme, Thomas Langman, donc. Je ne comprends pas quelle est sa ligne éditoriale dans La Petite Reine. Mais sa ligne éditoriale, c'est de faire des bons films avant tout. De faire des films qui lui plaisent, qui plaisent au public. Il s'intéresse à des films qui ont un concept original. Ouais. Et puis, il s'investit énormément. Effectivement, des films qui coûtent un peu plus cher comme Astérix ou Le Boulet ou comme Star 80. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a trop d'argent dans le film? Par rapport à quoi, c'est-à-dire J'ai l'impression qu'il y avait trop d'argent pour le film et que du coup, on y a mis trop d'effets. En fait, il faut simplement... Enfin, moi, j'ai pas du tout cette impression parce que moi, en tant que metteur en scène, c'est toujours très bien qu'on ait bien faire les choses correctement. Ouais. Donc, je remercie Thomas pour ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'on n'a pas triché ni avec... on s'est inspiré de l'histoire réelle. C'est-à-dire, l'histoire réelle, c'est deux producteurs qui vont chercher des chanteurs un par un, des chanteurs qui étaient has-been des années 80 et qui ramènent sur scène. Ils font les MJC et les foires à la saucisse. Ils enchaînent avec les Zénith et ils terminent au Stade de France. Donc, si on fait les choses à moitié, on raconte pas cette histoire-là. On râle, Jeanne. Mais non, nous, on parle de vaisselle, tu vois, pendant que les autres vendent le film. Non, je plaisante. Non, c'est les garçons parlent. Les garçons ils sont en majorité, donc ils parlent tous. Voilà, il se passe les micros. Puis nous, on est là. On fait coucou. Nous, on voudrait bien refaire le monde. Oui. Ce monde d'hommes, on aimerait bien le refaire un peu parce que je trouve que ça. Hein. Et on a l'idée de se présenter toutes les deux dans 5 ans. Ouais. Et en fait, faire diriger la France toutes les deux à deux. Pourquoi pas, ça s'est jamais fait. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous aime. Et je pense que c'est le principal. Donc, on va terminer comme ça.